La YouTube World, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui et vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel univers, ce nouvel espace de travail, puisqu'aujourd'hui nous allons parler essentiellement d'un bureau que j'ai reçu en collaboration commerciale avec le site FlexiSpot qui, on va pas se mentir, va littéralement changer ma façon de travailler pour ma chaîne et autres. C'est un bureau que j'ai reçu tout à fait gratuitement par la marque FlexiSpot, qui est le bureau assis debout, un bureau électrique E7, un bureau électrique qui monte et qui descend pour pouvoir travailler, comme son nom l'indique, autant assis que debout. Et donc évidemment, point transparence oblige, c'est donc un bureau, comme je vous l'ai dit, que j'ai reçu gratuitement par la marque FlexiSpot. Mon modèle, c'est le E7. Tous les liens que vous trouverez en barre d'information ne sont pas des liens affiliés. Et bien évidemment, je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ce très très chouette bureau. J'en dis pas plus, je vous laisse avec un voyage dans le temps, on retourne un petit peu en arrière. Début du chantier, ça commence par un grand décrapage nettoyage de toute cette zone. Parce que ce mur va être habillé, voilà dans quelle zone va se trouver mon bureau. Je suis ici en termes de montage, sachant qu'ici, sur le dessus, c'est les pieds que vous voyez. Hein. Faudra le retourner. Écoutez, en termes de montage, je trouve ça plutôt très simple. Parce que déjà, on a une notice qui est en français et qui est plutôt très bien expliquée. Et tout vraiment, on a vraiment tout, le A, le B, tout est bien précisé. On a cette clé-là et ce qui tombe plutôt bien, puisque moi, je n'ai plus de visseuse dévisseuse, elle a rendu l'âme. Je suis à l'étape 4. Ce qui est très très bien, vraiment, c'est que la notice est claire. Ça, tout est bien expliqué, tout est bien détaillé. Et ça, c'est pas un luxe. Le détail qui n'en est pas un à prendre en considération, c'est le poids. Faut savoir déjà que les colis de base au total, le plateau plus le bureau, il y en avait pour plus de 50 kilos. Donc, il a fallu user presque de génie pour le monter à l'étage. C'est le poids parce que c'est très très lourd. Donc, c'est compliqué quand on est tout seul pour faire le montage. On se débrouille avec du système D. Mais idéalement, je crois que c'est mieux si on est deux, un pote, quelqu'un qui peut vous aider à porter ce qui est très lourd. L'étape suivante, c'est de mettre le plateau que vous voyez ici, qui est gigantesque, au sol, pour pouvoir faire le montage au sol et ensuite retourner le bureau. Il faut vraiment bien faire au milieu et ensuite installer ça. Là, tu as toute la connectique ici, après on va mettre l'affichage LED. Voilà, essayez de bien faire les choses et protéger le plateau vu qu'on doit travailler le bureau retourné. Voilà où on en est avant la mise en place de la goulotte pour cacher les fils, parce que bon, donc un premier test avant de mettre la goulotte, un premier test. Ah bah ça monte, hein. Ça monte, on redescend. Puis en termes de bruit, franchement, impeccable. Déjà, ça fonctionne. Le seul truc que j'avais pas compris, c'est comment fixer la goulotte cache-fil, en fait. C'est juste, en fait, c'était pas vissé, c'était calé entre ces quatre vis ici. Donc, je vous préviens que c'est pas du, c'est juste en fait calé. Pour c'est pas du vissé, je pensais qu'il y avait un système de vraiment de vissé comme ça, de prise comme celui-là, pas du tout. En tout cas, ça tient, c'est fixé. Maintenant, il va me falloir faire sortir toute la force dont je dispose pour retourner ce joli bureau. En tout cas, qualitativement parlant, il n'y a absolument rien à dire. Tu sens qu'on est sur du très bon matériel. Ça brûle pour point là, parce qu'il y aura une belle intro, il y aura une conclusion une fois tout en place. Mais je suis très contente, juste comme ça, mon ressenti, je suis très contente parce que je vous avoue qu'avoir un endroit où je vais pouvoir travailler avec déjà tout installé, ça va vraiment être tout à fait autrement. Et je suis très très heureuse rien que pour ça. Mon petit coin dans ma chambre avec de la déco, pour faire mes montages, préparer mes vidéos, tourner, faire mes zooms. Je suis très très contente. Je vais faire une rectification parce que tout à l'heure, je te disais, tu vois, j'ai la symétrie dans l'œil. Bon, je ne me suis pas trompée. Hein. Mais sachez que
J'ai monté, ça change pas grand-chose à ce que ça donne, si ce n'est que je me suis donné du boulot en plus. J'ai monté le plan à l'envers. Ce qui revient à dire que il y avait tous les repères, des petits repères comme ça, donc il y avait vraiment tous les repères, et ce, de chaque côté. Hein. Voilà, ici, vous les avez. Vous les avez aussi ici pour avoir les repères pour fixer les pieds. Donc, dans l'absolu, de mon côté, ça change pas grand-chose au niveau rendu visuel comme ça, parce que de toute façon, le bureau va y avoir des choses posées dessus. Hein. Il va pas rester comme ça sans rien dessus. Il va y avoir une lampe, il va y avoir mon matériel, enfin, va y avoir des choses dessus. Mais je tiens quand même à signaler qu'il y a tous les repères, ce qui fait qu'évidemment, ça fait beaucoup de charges de travail en moins à essayer d'être au plus juste. Comme je le disais, eh ben, je trouve réellement que je me suis pas trompée de beaucoup, parce que vous avez les repères ici et mon pied que j'ai fixé ici. Hein. Donc, je suis vraiment dans le bon truc. En tout cas, voilà pour la première partie, c'est fait. Il est gigantesque. Maintenant, on va s'attaquer à la déco de ce mur. Alors, vous voyez quelques imperfections, mais compte tenu du fait que je compte installer une galerie photo, c'est pas bien grave. Je suis debout là, on va se faire une petite montée en live pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne quand le bureau va au plus haut. Je vais disparaître sous le bureau. Voilà mes petits cadets. Voilà. Ah, on est bien là, c'est-à-dire que là, il fait bureau, assis, debout, et repose tête. C'est formidable, la redescente. Après, je stoppe quand je veux. C'est magique. Voilà. Et donc, je peux bosser debout. Enfin, ça, je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Là, je suis accroupie. Hein. Je vous précise que je peux bosser debout, je peux bosser assise. Et ça, c'est bien parce qu'à certains moments, quand il y a, par exemple, du montage qui est un peu long, pour ma part, hein, il y a des moments, j'ai les jambes qui commencent un petit peu à saturer. Et donc, c'est bien de pouvoir se dégourdir un petit peu tout en continuant à travailler, d'être un peu en position debout et pas assise toute la journée. En conclusion, même si vous, je pense, vous pouvez le deviner, ce que je pense de ce bureau E7 de la marque FlexiSpot. Alors déjà, la première chose vraiment que je voudrais mettre en avant, c'est que quelque part, je m'attendais à de la qualité. Mais là, on est quand même très très haut. On est vraiment sur du très beau matériel, de très beaux matériaux. C'est solide, ça bouge pas. On a une stabilité vraiment canon. Et ça, c'est important parce que c'est-à-dire que moi, je suis amenée à filmer ici. Et que si au moindre petit coup de coude ou quoi aux caisses dans le bureau, tout se met à trembler, c'est pas évident. Là, je suis appuyée sur le bureau et vous ne bougez pas, par exemple. Le châssis en lui-même est en acier carbone massif. Donc, ce qui explique le poids. Si je puis me permettre, autant pour le plateau que pour le châssis, vraiment, si vous pouvez avoir un petit coup de main pour vous aider à porter les éléments qui sont très lourds, très sincèrement, ce ne sera pas un luxe. Au niveau des moteurs, alors, pour moi, je vous cache pas que ce soit plus ou moins silencieux, ça avait pas une très grande importance, mais il est quand même bon de noter que les moteurs sont très silencieux, et il y a ce système aussi anti-collision, où dès que en montée, le plateau rencontre un obstacle, il s'arrête net. Voilà, au moins, ça évite les petits accidents désagréables. Il y a la possibilité au niveau du panneau de contrôle qui vous permet de faire monter ou descendre le bureau. Il y a la possibilité de mémoriser les hauteurs que l'on préfère. Moi, par exemple, j'ai mémorisé cette hauteur-là. J'y suis très bien. Moi, j'avais jamais vu et rencontré de bureau électrique et je dois volontiers admettre que je comprends. J'ai vu pas mal de vidéos. J'ai regardé des vidéos par rapport à ce bureau sur YouTube. Les retours étaient très bons et je dois volontiers admettre que je comprends pourquoi les retours sont très bons, parce que on est vraiment sur quelque chose. Ce bureau, c'est quelque chose qui va te faciliter
le travail, quel qu'il soit. Je crois qu'il est possible d'enregistrer 4 hauteurs au niveau mémorisation des hauteurs. Mon plateau, et autant vous dire que là aussi je suis vraiment très très bien, mon plateau c'est un 140/80 que j'ai choisi en coloris graphite. Vous avez au niveau du plateau un choix... Je pense que c'est impossible de ne pas trouver son bonheur au niveau des coloris de plateau, mais aussi au niveau de la couleur du châssis. Moi, j'ai pris blanc, mais je crois qu'il existait en noir. Et il y avait même une autre couleur. Je crois qu'il y a 3 couleurs disponibles pour le châssis. Mais vraiment, il y a de quoi, en fait, se confectionner un bureau à son goût. Je trouve que le fait que tout soit personnalisable... Et il y a de nombreuses options. Hein. Après, je peux... Et d'ailleurs, c'est ce que je compte faire. Je peux accessoiriser mon bureau. Il y a à disposition des tiroirs. Ils vendent aussi des bras. Bref, il y a pas mal de petites choses pour pouvoir un peu étoffer ce bureau si besoin est. Toujours au niveau de l'écran de contrôle, nous avons un port USB, ce qui est plutôt très judicieux me concernant, puisque ma lampe de bureau, c'est un port USB pour la mettre en route, et je l'ai directement branché sur mon panneau de contrôle, ce qui fait qu'il y a moins de prise, bon déjà quand t'as les PC et tout ça, ce qui fait que ça te... ou recharger un téléphone, bref, très globalement, je trouve que c'est un très très beau bureau. Je suis ravie, pour rentrer un petit peu plus dans les coulisses, je suis ravie de la communication que j'ai eue avec la marque, parce que on a rencontré, alors rien à voir, mais par rapport à la logistique, c'est-à-dire la livraison, on a rencontré une toute petite difficulté et ils ont été très patients. J'ai été aussi très patiente, donc ça s'est très bien passé aussi de ce point de vue-là. Globalement, pour moi, je mesure ma chance. C'est une chance de pouvoir bénéficier d'un plan de travail comme ça et d'avoir de se faire une aisance pour vous proposer... du contenu et dans un élément thème cinéma que j'affectionne particulièrement, je suis très très heureuse d'avoir eu la chance de qu'on me propose cette collab. J'ai maintenant un bel espace de travail, je n'ai plus d'excuses pour dire j'ai pas pu tourner, je n'ai plus d'excuses. Et en plus avec du matériel vraiment très très qualitatif, j'insiste là-dessus. Je m'attendais pas, je suis très très agréablement surprise de la qualité, parce que je m'attendais, compte tenu des prix, je m'attendais à de la qualité, mais pas à ce point. On a quand même un bureau qui est garanti 7 ans. Bref, je suis vraiment plus qu'agréablement surprise. Est-ce que ce bureau correspond à mes attentes? Non, il les a clairement dépassés. Bien évidemment, je remercie infiniment la marque FlexiSpot pour me donner déjà l'opportunité d'avoir du très beau matériel pour travailler, pour sa confiance et son professionnalisme. Voilà, je peux pas... en fait, globalement, pour finir là-dessus, je n'ai rien à reprocher, absolument rien à reprocher à ce bureau. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Je trouve toujours de quoi un petit peu être tatillonné, être un petit peu, tu vois, fouiné, chercher un peu le bémol. Là, j'en vois aucun. Ce que je vois, moi, c'est que ça va me changer vraiment radicalement ma façon de bosser et mon confort et mon aisance. Et tout est installé. Il n'y a plus rien qui traîne. Les micros, sans le casser, il fallait ranger dans les boîtes, ressortir. Bref, ça va complètement changer ma façon de travailler. Et je suis très, très, très contente. Je vous laisse avec quelques images de tout le bureau installé. Alors évidemment, je vais étoffer le mur, mettre un peu plus de, au niveau de la déco arrière. Je vais étoffer en mettant d'autres cadres. Il y aura que des cadres, hein. Il y aura pas de lampions, tout ça. Je veux quand même que ça reste sobre et moi, je peux travailler correctement que dans quelque chose qui est relativement, je dis pas épuré, mais que ça clinque pas de partout. Je vous laisse avec des images du bureau installé avec mon matériel et une dernière montée et descente, sachant que ce bureau peut quand même monter et descendre 125 kg de charge. Donc, on est très très bien. Thank you.
prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.